La Croix-Rouge d'Avallon, plusieurs actions. L'aide alimentaire, action historique de la Croix-Rouge française, est une aide matérielle répondant aux besoins fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité. La Croix-Rouge reste très attentive au maintien de la dignité de chaque personne. Accueil, écoute sont les préalables incontournables à la constitution d'un dossier. La Vestiboutique permet à tous les publics, sans condition de ressources, d'acquérir des vêtements, linge de maison, chaussures et accessoires en contrepartie d'une participation financière très symbolique. Installée entre le centre-ville et la zone commerciale d'Auchan, elle est très facilement accessible. Une dizaine de bénévoles mettent toute leur énergie à faire vivre aide alimentaire et Vestiboutique. Le ciné-club François Truffaut de l'Avallonnais existe maintenant depuis près de 40 ans. Il rassemble des passionnés de cinéma souhaitant partager leur amour du 7e art, les films présentés sur grand écran au cinéma Vauban d'Avallon, qui offre une variété infinie de sujets, de pays, de réalisateurs et d'ancienneté. Un moment de partage, de convivialité et d'échange, souvent avec des professionnels, accessible à tous par abonnement ou à la séance. L'association Avallon Patrimoine en Bourgogne, sauvegarder, préserver et animer le patrimoine d'Avallon. Tels sont les objectifs de l'association créée en juin 2017. Qu'ils soient architectural, archéologique, urbain, paysager ou culturel. Par l'organisation d'actions permettant sa découverte ou redécouverte auprès de différents publics. La Société d'études d'Avallon, fondée en 1859 par des érudites, la Société d'études d'Avallon est la plus ancienne association de la ville. Société d'utilité publique, elle a son siège au second étage de l'hôtel Gouvenat à Avallon. Elle poursuit son travail de recherche historique pour mieux appréhender le passé de l'Avallonnais. Le résultat de ses travaux est transmis au public lors des séances bimestrielles. Thank you.